L'objet de cet ouvrage, comme de cette conférence, c'est d'essayer d'analyser les raisons pour lesquelles la démocratie libérale, en laquelle nous avons été nombreux à croire, est aujourd'hui en crise. Deux éléments ont pu être pris en considération. Le premier, c'est que finalement, la démocratie et le libéralisme ne sont pas des notions qui vont nécessairement ensemble. Et l'autre aspect, c'est probablement, sur lequel il faut mettre l'accent, l'éclatement de cette communauté nationale par un hyper-individualisme et un développement du communautarisme. Merci beaucoup pour cet accueil. Venir dans un club qui s'appelle Cercle Droit et Liberté, c'est en effet une très bonne introduction pour traiter de cette articulation qui devient de plus en plus complexe entre le droit, les libertés et la démocratie. C'est un liberté, droit, démocratie, c'est un triangle dont on a considéré longtemps que les trois pôles, si je puis dire, étaient liés, et en fait on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de divergences, de conflits potentiels entre l'ensemble de ces éléments. Alors, il a été dit en introduction que le droit a été quelquefois enseigné de manière trop neutre. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit en introduction, et j'en remercie sincèrement le présentateur. Je n'aurai qu'une nuance sur cette question. Je crois que le droit est malheureusement enseigné souvent de manière un peu trop idéologique, et notamment que l'analyse des droits fondamentaux, puisque c'est un des thèmes qu'on abordera, l'analyse des droits fondamentaux est une analyse qui finalement est relativement idéologique, j'y reviendrai. Le droit contre la démocratie. La première question que je voulais aborder devant vous, c'est la raison pour laquelle je me suis penché sur cette question. La raison, elle est finalement extraordinairement pratique. Si vous regardez autour de vous, vous verrez que le nombre d'ouvrages consacrés à la crise de la démocratie est en pleine inflation. Et lorsque j'ai écrit cet ouvrage en 2017, il n'y avait pas encore le nombre d'études qui aujourd'hui sont parues sur cette question. Et des études, alors ce qui est intéressant, c'est que ce sont des études qui proviennent non seulement de la France, non seulement de l'Europe, mais aussi des États-Unis. Le débat est un débat finalement assez idéologique qui oppose les défenseurs d'une certaine vision de la démocratie aux défenseurs d'un certain nombre de valeurs qui en fait seraient inséparables de la démocratie. Et lorsque l'on voit les débats qui peuvent exister sur la Hongrie, les débats qui peuvent exister sur le président américain, on s'aperçoit qu'en fait, chacun invoque la démocratie à l'appui de son point de vue, et que finalement, les visions de ce concept de démocratie sont très variables. Le constat duquel je suis parti, c'est que en fait, il y a une perte de confiance dans ce système, et j'y reviendrai, il y a une perte de confiance dans ce système qui est celui ce qu'on a appelé la démocratie libérale. Il y a eu récemment une étude de la Fondation pour l'innovation politique qui montre que 33% des citoyens des États de l'Union européenne estiment que d'autres systèmes peuvent être aussi bons que la démocratie. Ils sont 33% à le penser en France, 34% en Hongrie, on est à peu près dans les mêmes zones. Ils sont 50% à le penser en Slovaquie, en Croatie et en Bulgarie. En même temps, 36% des Européens pensent que voter ne sert pas à grand-chose parce que les dirigeants politiques ne tiennent pas compte de la volonté du peuple. 58% des Européens pensent que l'islam représente une menace. 63% jugent négatif les effets de l'immigration.
la perspective d'un gouvernement autoritaire séduit 35% des Français comme des Hongrois, qui se situent d'ailleurs de ce point de vue à peu près dans la moyenne européenne. Le problème, c'est quand vous regardez ces chiffres-là, vous ne pouvez pas ne pas vous poser de questions. Et la question que doit se poser un juriste, c'est pas finalement d'approuver, de condamner, de se réjouir ou de se lamenter, c'est pas de jeter des anathèmes ou de dresser des couronnes de laurier, c'est d'essayer de savoir pourquoi. Pourquoi il y a une crise de la démocratie libérale? Pourquoi les régimes autoritaires exercent une certaine forme d'attraction? Pourquoi il y a un fossé? Et je peux vous dire que, n'étant pas seulement juriste, mais ayant été longtemps élu municipal d'une toute petite commune, j'en suis conscient, pourquoi il y a ce fossé entre les élites et le peuple. En fait, c'est d'autant plus paradoxal que cette démocratie libérale européenne a constitué un modèle qui finalement était envié par tous les pays qui ne l'avaient pas jusqu'alors adapté. Et ça a marché. Et ça a marché. Grosso modo, c'est sur ce modèle de démocratie libérale que s'est construit depuis un certain nombre d'années la paix, une certaine prospérité et le respect d'un certain nombre de droits de l'homme. Ça a marché. Ça a marché. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce rêve universaliste de la démocratie et les théories de la fin de l'histoire renvoyées d'ailleurs assez à ce modèle de dire on a enfin trouvé pour l'humanité un modèle qui est un modèle qui fonctionne, qui apporte un certain nombre d'avantages qui n'ont jamais existé pour les sociétés, et ce rêve s'est brisé. Il s'est brisé parce que, il s'est brisé d'abord, on y reviendra, sur le renouveau des frontières, sur l'incapacité d'inventer un modèle démocratique non étatique, et contrairement à cette naïveté mélangée d'affairisme des Américains, on s'est aperçu que lorsque l'on enlevait un dictateur dans un certain nombre de pays, on n'avait pas une démocratie qui s'installait ipso facto. Supprimer Saddam Hussein, supprimer d'autres en Irak, n'a pas apporté la démocratie, bien au contraire, bien au contraire. En fait, on a vu aussi qu'il n'y avait pas, finalement, partout, une aspiration naturelle à cette forme de démocratie. La Russie est passée d'un pouvoir totalitaire à un pouvoir autoritaire, après avoir seulement coché la case d'un pouvoir corrompu. Les printemps arabes ont conduit les islamistes au pouvoir en Égypte, et la seule alternative à l'instauration d'un pouvoir théocratique a été un coup d'État militaire légalisé par un plébiscite. La Turquie avance à grands pas vers un modèle autocratique. L'économie chinoise se développe en dehors d'un modèle démocratique, parce qu'on a toujours dit qu'en fait le développement économique, la démocratie était une condition du développement économique, ce qui n'est pas vrai en Chine. Grosso modo, ce modèle de la démocratie libérale occidentale est un modèle qui n'a plus le dynamisme qu'il avait connu, bien au contraire. Sur le plan interne, me semble-t-il, la crise de la démocratie libérale, elle tient essentiellement à deux éléments, une crise de légitimité et une crise d'efficience. Je reviendrai sur ces deux éléments. Le problème fondamental, me semble-t-il, si l'on veut comprendre la crise à laquelle on assiste, et c'est une analyse que j'ai faite en 2017 et qu'on retrouve dans un ouvrage qui est paru en 2018, un Américain, sur le peuple contre la démocratie, c'est cette idée fondamentale qui bouleverse un peu les bons esprits, selon laquelle la démocratie et le libéralisme sont deux choses différentes. J'allais dire, la notion d'état de droit, qui est un peu le modèle vers lequel on aspire, elle a un peu brouillé les choses, parce qu'elle réunit toute une série de concepts qui finalement ne sont pas forcément liés et qui au contraire peuvent s'opposer. Et en fait, cette crise de la démocratie libérale, elle résulte essentiellement
d'une tension entre ces deux éléments qu'on a cru indissolublement liés, qui étaient la démocratie et le libéralisme. Et en fait, ce que l'on appelle démocratie aujourd'hui, c'est la démocratie libérale, c'est l'état de droit. Mais le problème, c'est que la démocratie ne se résume pas à ce modèle. En fait, grosso modo, pour expliquer cette tension de manière très simple, le régime est démocratique en ce qu'il fonde la légitimité du pouvoir sur le peuple qui manifeste sa souveraineté en élisant ses représentants, ou en adoptant sa constitution, ou en procédant par référendum. Le système est libéral en ce qu'il prévoit des mécanismes de contrôle et de contrepoids visant à limiter l'exercice du pouvoir. En fait, la démocratie, c'est le mécanisme de légitimation du pouvoir, et le libéralisme, c'est un mécanisme d'exercice du pouvoir qui vise à limiter ce que pourrait avoir d'excessif de non contrôler une démocratie pure. Et relève du libéralisme, notamment la séparation des pouvoirs, les mécanismes de contrôle juridictionnel, et aussi, il en a été parlé, des instances comme les autorités administratives indépendantes. Et l'utilisation, et ça j'insiste là-dessus, c'est pour moi le point de départ, l'utilisation contemporaine du terme de démocratie confond ces deux aspects et masque les contradictions qui peuvent exister entre la démocratie et le libéralisme. L'idée essentielle de cet ouvrage a été, en fait, de montrer que le droit, s'il est d'abord une condition de la démocratie, si historiquement et fondamentalement il est une condition de la démocratie, peut aussi se dresser contre la démocratie en étouffant les manifestations de la démocratie et en délégitimant ses mécanismes. Alors le droit, et je passerai rapidement parce que c'est quelque chose qui est bien connu et communément admis, le droit est d'abord, il ne faut pas l'oublier dans cette énonciation, le droit est d'abord une condition de la démocratie. La présence de règles juridiques est évidemment une condition de la démocratie. La démocratie est née, et ça a été dit en introduction, la démocratie, elle est née et elle s'est développée dans un cadre étatique. Elle présuppose l'existence d'un peuple inscrit dans des frontières. Et ce peuple n'existe comme entité politique que s'il est uni par le partage de valeurs communes. Cadre étatique, peuple inscrit dans les frontières, partage de valeurs communes. À défaut, il ne s'agit que de la cohabitation ou de la coexistence d'individus ou de communautés. L'exercice du pouvoir vise à déterminer l'intérêt commun à cette communauté nationale. Et donc, le droit intervient pour dire la manière dont cet intérêt commun va être défini, qui va le définir, comment on va élire des représentants et quelles sont ses règles communes. Dans sa forme représentative, et je développerai cette question si vous voulez y revenir, dans sa forme représentative, qui est la seule possible dans une société politique étendue, elle implique pas énormément de choses, la démocratie. Elle implique, mais des choses qui sont très exigeantes, elle implique des élections libres, disputées à intervalles réguliers, elle implique la liberté d'expression, elle implique l'existence d'une opposition qui puisse aspirer à devenir la majorité, elle implique une égalité entre les citoyens formant le corps électoral, une éducation suffisante pour participer aux décisions politiques, et un juge qui en fait a pour mission de vérifier que les élections se déroulent régulièrement. Elle exige également la responsabilité, on y reviendra, des représentants élus devant le peuple. Elle exige également que le pouvoir technique soit subordonné au pouvoir politique. Et là, il y a une étude qui a été publiée il y a 12 ans, 3 ans, assez intéressante sur cette démocratie qui est le seul à peu près modèle de démocratie directe qui existait dans les cités grecques et notamment à Athènes. Et l'auteur, qui est un spécialiste non pas de la politique contemporaine,
mais de l'Antiquité, expliquait que le système fonctionnait ainsi parce que toutes les compétences administratives, d'expertise, etc., étaient confiées à des esclaves, et qu'en fait, la subordination du pouvoir technique au pouvoir politique allait d'évidence, parce que ceux qui disposaient des compétences techniques ne participaient pas au pouvoir politique et étaient par nature subordonnés au pouvoir politique. La démocratie, elle est liée aussi, il ne faut pas l'oublier, à l'autorité. La démocratie implique l'autorité. Elle implique que le pouvoir légitimement désigné dispose des moyens d'imposer les décisions régulièrement prises. Et la crise de l'autorité constitue nécessairement une crise de la démocratie. Alors la question, ce schéma étant rapidement rappelé, la question est de savoir si l'emprise du droit n'est pas susceptible de conduire à un affaiblissement du système démocratique et voire un glissement progressif vers un système oligarchique. L'idée d'un bon gouvernement, qu'on retrouve dans un certain nombre d'analyses, ou le recours à la notion de gouvernance, font en réalité l'impasse sur la question de la légitimation du pouvoir, en s'intéressant seulement à ses conditions d'exercice. Une idéologie mêlée d'efficacité et d'individualisme forme, on le verra, une forme de couvercle qui exerce une certaine forme de pression, d'enfermement de la réalité et qui empêche de la discuter. Le premier élément, c'est le développement d'ordres juridiques non démocratiques. Si le système étatique est le berceau naturel de la démocratie, les mutations qui affectent l'État-nation ont une incidence évidente sur la question de la légitimation du pouvoir. Le cadre étatique se fracture du fait que des organismes supranationaux producteurs d'ordre juridique se posent en surplomb de la démocratie étatique, sont constitués des embryons d'État, et par ailleurs un certain nombre d'États éclatent ou tendent à éclater sous la pression de revendications identitaires de principautés. On peut penser à l'Espagne, à la Grande-Bretagne ou à la Belgique. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que cette reconstitution des principautés est un système qui, en fait, est l'inverse de celui qu'on a connu lorsqu'on est passé de la féodalité à l'État. On pourrait faire beaucoup de rapprochements historiques, mais je n'aurai pas le temps de les faire ce soir. D'autre part, la carte géopolitique, qui est un élément absolument fondamental, se transforme par la reconstitution de systèmes impériaux avec un État central et des États satellites ou sous influence. On peut penser à la Russie, à la Turquie et à l'Europe, qui d'une certaine manière, là je pourrais faire encore une référence historique qui devrait être développée, l'Europe qui est d'une certaine manière la reconstitution de ce qu'était cet empire dont on disait qu'il était un ventre mou, qui est le Saint-Empire romain germanique. Cette évolution, elle conduit à considérer que le droit ne se produit pas essentiellement, ou tout du moins pas exclusivement, dans des structures qui sont des structures démocratiques. Lorsque je disais en cours que l'Europe n'était pas une structure démocratique, on me disait « il est anti-européen ». Non, je ne mets pas dans le mot « démocratique » une fonction nécessairement positive ou négative. Pour moi, la démocratie, c'est un mode de gouvernement. Et il faut constater que les structures européennes ne fonctionnent pas selon des logiques démocratiques. C'est un point qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que ce sont des logiques qui obéissent à une logique de traité, d'accords internationaux en ce qui concerne l'Union européenne, et en ce qui concerne la Convention européenne des droits de l'homme, c'est une logique qui transfère le pouvoir, on y reviendra, à des juges. En matière de droits fondamentaux, des organismes non étatiques jouent un rôle très important, notamment ce qu'on appelle les organisations non gouvernementales. Le problème, c'est que ces organisations non gouvernementales, elles peuvent avoir un rôle très positif, mais elles obéissent en général à la défense d'intérêts catégoriels ou idéologiques. Le problème ne tient pas à la nature de cet engagement, c'est parfaitement légitime. Le problème tient au fait que ces ONG s'abritent
derrière les vertus de l'impartialité. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas, les États autoritaires s'attaquent en priorité aux ONG. C'est le cas en Russie, c'est le cas en Chine, bien entendu, mais c'est le cas d'une autre manière en Hongrie. Et on a beaucoup critiqué la Hongrie lorsqu'elle a exigé une transparence sur le financement des ONG étrangères. Vous savez que c'est le cas notamment pour l'ONG qui est liée à Soros. Le problème, c'est que ce n'est pas illégitime. Ce n'est pas illégitime pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on vit dans un monde où l'on exige de ceux qui ont du pouvoir de la transparence, à partir du moment où l'on considère, ce qui est une réalité, que les ONG disposent de pouvoir et qu'elles ont une incidence, il est normal qu'elles obéissent elles-mêmes à l'exigence de transparence. Au-delà de ces contraintes internationales, s'exercent bien évidemment des pouvoirs économiques et financiers qui ne s'inscrivent pas dans le cadre étatique et qui sont souvent plus puissants que les États. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les agences de notation, qui sont des organismes privés. La crise grecque a été l'illustration la plus flagrante de ce conflit entre la démocratie et cette logique. Le référendum grec sur le programme d'austérité a été une expression démocratique. Le problème, c'est que ce référendum a rejeté le programme d'austérité que le gouvernement a été ensuite obligé de prendre. On ne peut pas, à mon avis, dans cette affaire, accuser le gouvernement de Tsipras. C'est simplement la traduction que le pouvoir, et ça c'est un élément essentiel, que le pouvoir a échappé aux autorités légitimées par l'élection démocratique. Alors, on pourrait bien évidemment développer à l'infini avec les GAFA qui sont capables d'imposer non seulement leurs exigences économiques mais aussi leurs normes de comportement et leur propre système de valeurs. Et là, la conséquence de tout cela, c'est la dépossession de plus en plus visible du pouvoir politique. Et à mon sens, la crise fondamentale de la démocratie, qui est une crise qui n'est pas ici une crise analysée par des théoriciens du droit, mais qui est une crise finalement intuitivement ressentie par le peuple. Et pourquoi le peuple ressent intuitivement cette crise de la démocratie ? Parce que, selon la formule qu'on emploie souvent, le roi est nu, et ça se sait, c'est-à-dire que le vote n'embraye plus sur la décision politique. La crise, à mon avis, profonde de la démocratie, elle est là. Les gens, c'est pas qu'on élit des gens qui ne sont pas capables, qui sont malhonnêtes, c'est que l'on élit en réalité des gens qui n'ont plus réellement le pouvoir. Et ça, c'est la crise, l'élément le plus révélateur, le plus fondamental de la crise de la démocratie. Le deuxième élément, et je passe rapidement, il faudrait développer tout ça, je surveille un peu l'heure, je demanderai aux organisateurs de me rappeler à l'ordre lorsqu'il en sera temps, avec 5 minutes de battement si c'est possible. Le deuxième élément, c'est que le droit des droits de l'homme, qui est devenu un élément concurrent de la démocratie, est un cadre idéologique, bon ou mauvais, mais ça m'importe peu, est un cadre idéologique qui tend à prévaloir sur l'expression démocratique. Il est d'usage de considérer, là encore, que les droits de l'homme et la démocratie forment un tout indissociable. Et il est vrai, historiquement, que la démocratie est le cadre qui a permis l'épanouissement des droits de l'homme. Et que, lorsqu'il n'y a pas de démocratie, les droits de l'homme se portent en général moins bien. Mais ça ne veut pas dire que les droits de l'homme soient consubstantiels à la démocratie. On peut même considérer que le développement d'une conception essentiellement individualiste des droits fondamentaux participe à l'éclatement de la notion d'intérêt général et à un système de valeurs communautaristes et concurrentielles qui affaiblissent la démocratie. Premier point, la démocratie
les droits fondamentaux ont une vocation universaliste. Là, il y a déjà un décalage. La démocratie est le mode de gouvernement d'un peuple dans un cadre géographique donné. Comme disait Hannah Arendt, un peuple se définit par son identité, l'homme se définit par son universalité. Les droits de l'homme s'imposent indépendamment de toute appartenance communautaire. Mais le lien existe, et le lien on l'a oublié. Et Hannah Arendt dit que, à partir du moment où on est privé d'une inscription collective nationale, on est également privé de droits. Le premier des droits de l'homme est d'appartenir à une communauté politique. La démocratie est aujourd'hui remise en cause par cette conception à la fois individualiste et moralisatrice des droits fondamentaux. La déconnexion entre les droits fondamentaux et la démocratie tient essentiellement au fait que les droits fondamentaux conduisent à reconstruire à la fois le droit et la société à partir de l'individu. Et cette hyper-individualisation du droit entraîne en retour le développement de nouvelles solidarités communautaristes. À partir du moment où l'on casse, on brise cette communauté nationale qui est le cadre de la démocratie, on s'aperçoit qu'une société ne peut pas simplement être composée d'électrons libres, indépendants de toute appartenance. On s'aperçoit que les individus se réunissent, que la micro-société se reconstitue à partir d'appartenances communautaires qui peuvent être la religion, le sexe, les mœurs et tout ce que vous voulez. Les rapports sociaux et politiques ne sont pas inscrits dans une dimension collective, historique et institutionnelle, mais tendent à être réduits à des relations inter-individuelles dont l'État n'est plus finalement que le gestionnaire. L'État n'est plus finalement qu'un arbitre entre communautés, entre individus, mais il n'est plus là, et c'est, on pourrait là aussi convoquer l'histoire et le passage de l'État de justice à l'État de finance. Le problème, c'est que l'État n'est plus là pour forger ce qui va réunir une communauté, une communauté nationale, il est là pour arbitrer à l'intérieur de la communauté nationale entre des individus et des communautés qui ont des aspirations différentes, des volontés différentes. Et c'est d'autant plus net qu'aujourd'hui l'individu ne supporte plus aucune prédétermination et entend disposer entièrement de son être, et le droit devient un instrument au service exclusif des droits et des désirs individuels. Rien ne doit échapper à l'autodétermination de l'individu, ni sa naissance, ni son identité, ni son sexe, ni son mode de reproduction, ni sa mort. Cette atomisation de la communauté nationale entraîne donc la revendication d'un attachement communautaire particulier, et de ce point de vue, il y a un paradoxe qu'il faudrait quand même relever. C'est qu'il est paradoxal de valoriser toutes les identités, qu'elles soient sexuelles, culturelles, religieuses, linguistiques, mais il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une qui est, j'allais dire, déconsidérée, c'est l'identité nationale. L'identité nationale, c'est quasiment aujourd'hui un gros mot. Et l'articulation, et en fait on s'aperçoit, les conceptions qui existent par exemple au Canada sur les accommodements raisonnables montrent qu'aujourd'hui l'articulation à trois entre les droits de l'individu, les droits des communautés et les valeurs communes devient absolument ingérable. Le multiculturalisme, qui est à mon avis un élément, je me trouve souvent quand je dis ça, je suscite des réactions très hostiles, mais le culturalisme qui me paraît incompatible avec la démocratie oppose au sein d'une même société des populations qui n'ont pas les mêmes problèmes, pas les mêmes peurs, pas les mêmes besoins, pas les mêmes références culturelles. Et la question de l'islam politique, je ne dis pas de l'islam, mais de l'islam politique, est une des traductions les plus aiguës de ce problème. Le droit devient aussi, et c'est un élément qui est aussi un élément de réaction contre la démocratie, le droit devient un instrument d'encadrement idéologique. Cette conception quasiment religieuse des droits de l'homme, moi je dis souvent qu'en présentant
que la, si on regarde le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, on a les textes sacrés. La Convention, qui est assez floue, elle est assez générale, donc elle a besoin d'un interprète, de grands prêtres, qui sont les juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça fonctionne absolument comme un système religieux. Il n'y a pas dans cette religion la conception d'un au-delà, mais en revanche, le mécanisme institutionnel est absolument le même. Et vous voyez bien que là, on se trouve aussi dans une contradiction entre une conception quasiment religieuse et la démocratie. Il existe une censure. La censure, elle est la marque d'un régime idéologiquement totalitaire ou théocratique. Elle se distingue, ça ne faut pas l'oublier, d'une simple limitation de l'expression au nom de la protection de l'ordre public. La censure suppose que certaines opinions ne puissent pas être rendues publiques du fait de leur contenu. Et on dira, la censure est aujourd'hui étrangère au modèle politique européen. Il n'en est rien. Les lois mémorielles, la pénalisation de certaines opinions, la pression sociale sur le politiquement correct, musèlent l'expression et enferment le débat dans d'étroites limites. L'État, et c'est encore plus grave, se fait thérapeute et éducateur. Les délits d'opinion se multiplient. La loi sur la presse, ça c'est un très bon exemple, la loi sur la presse, elle a grossi. Je vous la dis, sont sanctionnés, et je cite, sont sanctionnés, les comportements susceptibles de prendre en compte vis-à-vis d'un tiers, et c'est la loi, son origine, son sexe, sa situation de famille, sa grossesse, son apparence physique, sa particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique apparente ou connue de son auteur, son patronyme, son lieu de résidence, son état de santé, sa perte d'autonomie, son handicap, ses caractéristiques génétiques, ses mœurs, son orientation sexuelle, son identité de genre, son âge, ses opinions politiques, ses activités syndicales, sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Voilà tout ce qui est interdit. Je peux vous dire que pour échapper absolument à ces interdictions-là, il faut véritablement canaliser son langage. Et tout ça est pénalement sanctionné. C'est pas simplement un conseil d'une vie commune facile. De surcroît, la radio et la télévision, et c'est là que l'idée totalitariste est très forte, la radio et la télévision se voient confier de la mission de contribuer à la lutte contre les préjugés sexistes et les préjugés liés à la diversité de la société française en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Le totalitarisme, c'est pas l'autoritarisme. Le totalitarisme, c'est d'éduquer les masses. Et là, il y a un mécanisme qui est à l'œuvre, qui est celui de régénérer un peuple qui, correctement éduqué, pourra légitimement participer à la décision politique et en fait de disqualifier une population victime de ses préjugés et délégitimée par sa tendance au populisme. Comme l'écrivait Brecht au temps de la République démocratique allemande, le peuple vote mal, il faut s'en réparer. En fait, la notion, l'idée selon laquelle il faut éduquer le peuple, forger le peuple, le faire correspondre à une certaine image, est une idée profondément totalitariste. Regardez, qu'est-ce qu'est le peuple dans une démocratie socialiste, soviétique? Le peuple est un peuple révolutionnaire forgé par le droit. Forgé par le droit. Ce n'est pas le peuple réel. Et là aussi, on a cette tentation de forger un peuple. Le totalitarisme ne doit pas, moi je dis souvent que c'est une forme de totalitarisme mou, le totalitarisme ne doit pas être confondu avec la dictature. Il s'agit d'un pouvoir qui s'immisce dans toutes les sphères de l'existence humaine, en définissant ce que les citoyens doivent croire et penser, la manière dont ils doivent penser. L'idée de forger un homme nouveau relève nécessairement d'une pensée totalitaire. Autre élément, et je dois aller très vite parce que ça fait 35 minutes, on m'a dit que je pouvais jusqu'à 45, c'est ça, hein, donc dans 5 minutes, vous me rappelez alors, le renforcement des contre-pouvoirs. Le premier contre-pouvoir à la démocratie, et ça peut choquer aussi, c'est la justice.
La justice devient aujourd'hui un véritable contre-pouvoir. Je ne dis pas que la justice n'est pas nécessaire, mais la justice, on n'y reviendra pas, parce qu'on n'a pas le temps. La justice, elle obéit à une légitimité qui est celle d'être un tiers impartial. Et la justice obéit à une logique libérale comme contrepoids, ce que pourrait avoir d'excessif, la légitimité démocratique. Mais le problème, c'est que de plus en plus, les juges empiètent sur la fonction politique. La fonction politique, c'est la fonction démocratique. La fonction juridictionnelle, c'est une fonction de nature libérale. Mais le problème, c'est que les frontières se déplacent. D'abord, le droit des droits fondamentaux, à partir du moment où il empiète sur l'ensemble du droit, devient l'arme du juge. Le droit des droits et libertés fondamentaux, c'est un droit extrêmement abstrait, c'est un droit qui demande une interprétation très forte. C'est un droit qui amène nécessairement à concilier des droits qui s'opposent, la liberté d'expression et la liberté de la presse, et le respect de la vie privée, pardon. Et donc, on a ici un pouvoir du juge qui devient d'autant plus fort que ces droits ont aussi un contenu idéologique. Le second facteur, c'est la pénalisation de la vie sociale et politique. À partir du moment où il y a un affaiblissement considérable de la responsabilité politique, et à partir du moment où un pouvoir ne peut pas fonctionner sans responsabilité, on est passé de la responsabilité politique à des formes de responsabilité pénale. On le voit bien, un gouvernement n'est plus renversé par le Parlement, mais les ministres sont mis en cause. C'est l'inverse d'ailleurs, le système parlementaire, il est né du passage de la responsabilité pénale à la responsabilité politique. Et aujourd'hui, on a presque fait le mouvement inverse. Le juge est également un régulateur des rapports entre les ordres juridiques. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait ces ordres européens qui surplombent les ordres nationaux. Le problème, c'est que quand vous faites un cours à un étudiant de première année, quand vous êtes constitutionnaliste, vous lui dites la Constitution a une valeur supérieure au droit européen. Et puis, ils ont ensuite un cours de droit européen où on leur dit le droit européen a une valeur supérieure à la Constitution. Le seul problème, c'est que les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Et alors ça, un étudiant de première année, lui expliquer que deux choses contradictoires sont vraies, c'est très difficile. Mais les deux sont vrais. Le problème, c'est qu'il y a deux hiérarchies. C'est comme s'il n'y en avait pas. Et qui est-ce qui est le régulateur de ce système? C'est le juge. Le juge va être celui qui va réguler les rapports de système. Et donc, non seulement il vient mettre, non seulement de l'interprétation des normes, mais il devient mettre de l'articulation des normes. Donc il devient mettre du système normatif de référence. Ce qui est un pouvoir absolument considérable. Et le juge aussi, moi quand j'étais au Conseil supérieur de la magistrature, j'étais toujours effaré d'entendre les juges dire « il nous appartient d'adapter le droit aux évolutions de la société ». Ah ben non. Ça, c'est le rôle du politique. Définir l'intérêt général, c'est le rôle du politique. Adapter le droit aux évolutions de la société, il n'y a jamais d'automatisme. Comme je dis souvent, si vous constatez qu'il y a une augmentation de la consommation de stupéfiants, vous avez deux réactions possibles. Soit vous l'autorisez plus librement, soit vous la réprimez plus fort. Mais il n'y a aucun automatisme entre l'évolution d'une société et le droit que l'on va appliquer. Ce droit, c'est un choix politique. Alors, je passe sur le développement de l'autorité indépendante, le comité d'éthique, etc. Le problème, c'est que la démocratie libérale, elle vaut probablement la peine d'être défendue. Elle vaut probablement la peine d'être défendue, si elle peut l'être, selon je ne suis pas persuadé, mais elle vaut la peine d'être défendue parce qu'elle a quand même apporté un certain nombre de bénéfices incontestables. Et en fait, il y a, à mon avis, deux fausses solutions. Il y a la démocratie participative, et là je passe très vite. La démocratie participative, localement, c'est sûrement un très bon système. Au niveau national, à mon avis, elle ne peut être que marginale. Pour une raison très simple, c'est que la démocratie participative, ce n'est pas du tout l'expression du peuple. C'est concrètement l'expression d'un certain nombre de gens informés, de lobbies, de gens qui représentent des intérêts. C'est en fait un mécanisme, là encore, d'arbitrage entre des intérêts différents qui vont déboucher sur un consensus. Mais on arrive mal à former une volonté générale par l'intermédiaire de la démocratie participative. Dans la démocratie participative, notamment sur Internet, il y a une question qu'on se pose toujours, c'est qui est qui dans cette affaire.
d'où vient celui qui se prononce. Dans un vote, on sait, c'est un électeur. Là, on ne le sait pas vraiment. La deuxième tentation, c'est celle de la démocratie non libérale. Et ça, c'est vraiment Orban qui a... quand on invoque Orban, on a l'impression qu'on invoque le diable, mais c'est pas mon cas, mais c'est comme ça. C'est Orban qui a inventé cette notion de démocratie illibérale. Alors je ne dis pas que la démocratie illibérale c'est une bonne chose, mais au moins il a mis l'accent sur un véritable problème. C'est qu'il pouvait y avoir contradiction, et j'en reviens au point de départ, entre démocratie et libéralisme. Le problème, c'est qu'on voit bien que cette démocratie libérale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tend finalement à limiter l'emprise des éléments qui relèvent du libéralisme, et à limiter cette emprise du juge, des organisations non gouvernementales, etc. Et bien entendu, elle se met en porte-à-faux avec l'idéologie dominante. Le problème, il ne faut pas se le cacher, c'est que la démocratie non libérale en soi est un système qui est parfaitement admissible, mais l'histoire montre que très souvent, cette démocratie non libérale, elle risque de déboucher sur une absence de démocratie tout court. Et donc, il faut bien penser que quand... Là, on revient toujours à Montesquieu. Montesquieu, vous savez, quand vous lisez Montesquieu, c'est... Et je finis, là, je demande 3 minutes, j'aurais fini. L'idée de Montesquieu, elle n'a rien à voir avec la démocratie. Et Montesquieu montre bien que le libéralisme, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Montesquieu, il a seulement exprimé une vérité qui est probablement universelle, une des rares vérités universelles, c'est qui a du pouvoir a tendance à en abuser, et seul le pouvoir est le pouvoir. Donc la raison du libéralisme, elle est là, les instruments du libéralisme. Et il est vrai que si on supprime les instruments du libéralisme, si on les supprime complètement, pas si on les remet à leur place, ce qui à mon avis est parfaitement nécessaire, si on les supprime complètement, faute que le pouvoir sera arrêté, il abusera nécessairement du pouvoir. Je termine en disant à mon ami quels sont, parce que c'est le plus difficile, c'est de reconstruire, quelles sont les pistes. Eh bien les pistes, c'est probablement, d'abord, sont des pistes politiques avant d'être des pistes institutionnelles. C'est d'abord rétablir le lien de confiance entre le peuple et les élus. Ce lien de confiance entre le peuple et les élus, si on raisonne au niveau européen, c'est probablement de définir très précisément ce qui relève de l'identité et des compétences européennes et ce qui relève de l'identité et des compétences nationales. Il faut que lorsque les électeurs se prononcent, ils sachent précisément quelles sont les compétences de leurs élus et qu'est-ce qui relève de leur identité. L'autre élément, qui est un outil très difficile à utiliser, j'y reviendrai dans les questions si vous le souhaitez, mais je ne développerai pas, c'est qu'il y a besoin d'une respiration, démocratique. Et cette respiration démocratique, il y a quand même un instrument qui existe, qui est un instrument à la fois dangereux et bénéfique, qui est le référendum. Et je crois que c'est aussi un moyen de rétablir le lien entre le peuple et le pouvoir. Pourquoi? Parce que le référendum, même si c'est brutal, c'est le seul instrument où il y a une connexion directe entre le suffrage et la décision qui est prise. Et c'est cette déconnexion qui aujourd'hui pose problème. Voilà, je vous remercie. Donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de poser votre question, il y a un cocktail après avec une séance de dédicace, vous pouvez acquérir l'ouvrage, donc vous aurez tout le temps de poser des questions aussi pour les timides après. Mais allez-y. Ça veut dire que tout le monde est timide. En général, la timidité, c'est pas une vertu ou un défaut qui est unanimement partagé. Oui. Le système américain, une partie d'institutions judiciaires qui seraient électives, ou est-ce que ça pourrait être une solution justement pour pouvoir renouer entre un système judiciaire et la démocratie, contrairement à d'autres Ouais, c'est une question, c'est une très bonne question, mais c'est vrai, c'est pas simplement pour vous dire, très bonne question, mais je vous réponds que je ne pense pas. Parce que, en fait, l'équilibre entre le politique et le juge tient au fait que justement ils n'ont pas exactement la même légitimité. Le problème dans le système américain, mais en tout cas
J'allais dire, il n'y a jamais de système qui s'exporte parfaitement, il faut, on ne transpose pas les modèles. Dans le système, si on appliquait le système américain dans une culture politique, par exemple, comme est celle de la France, vous auriez un risque de conflit de légitimité politique. Et le problème, c'est que la légitimité du juge, elle vient justement du fait que ce n'est pas un politique. Et regardez le débat que l'on a eu en France sur l'instauration d'un procureur de la nation. En disant, bah, finalement, on va nommer un procureur de la nation qui deviendra autonome, qui sera nommé, qui pourra être éventuellement responsable devant le Parlement, parce qu'il faut bien que quelqu'un soit responsable. Mais dans ce cas-là, vous créez, en fait, deux légitimités politiques face à face. Et le risque énorme, c'est qu'il y ait des conflits de légitimité. Donc je pense qu'il n'est pas plus mauvais que le juge reste dans cette configuration de tiers impartial. Cela étant, il ne doit pas intervenir sur le terrain politique. Oui, c'est vous qui donnez la parole. Non, je vous en prie. Alors, qui la veut la France ? Est-ce que vous pensez que pour établir à leur juste place les contre-pouvoirs, il est nécessaire de sortir de la CEDH ? Et est-ce que c'est possible ? Alors, réponse en deux temps. Oui, c'est possible. Réponse en deuxième temps, est-ce qu'il faut en sortir ? Je vous répondrai non. Je répondrai non, pourquoi ? Parce que cette CEDH, elle a bien des défauts, mais elle a le mérite d'exister. Ce que je crois, c'est qu'il faut simplement appliquer réellement le mécanisme que le Conseil constitutionnel avait dégagé dans les rapports entre le droit de l'Union européenne et le droit national, c'est-à-dire que l'on n'applique pas, on peut ne pas appliquer une décision de la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'elle entre en conflit avec un élément relevant de l'identité constitutionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, parce que si vous regardez les choses, les rapports entre les États et la Cour européenne des droits de l'homme sont des rapports de force. Pourquoi la Cour européenne des droits de l'homme a toléré les crucifix dans les classes italiennes et pourquoi elle a toléré l'interdiction du voile intégral en France, non pas parce que ça relevait de sa jurisprudence, parce que si vous regardez ces décisions, elles sont éminemment embarrassées dans leur rédaction, tout simplement parce que la Cour européenne des droits de l'homme, elle savait pertinemment que si elle censurait l'Italie sur ce point ou la France sur ce point, ça, on irait au clash, en fait, il y aurait un problème d'application. Donc je le crois, je veux dire les choses de cette manière-là, je crois qu'il ne faut pas sortir de la Convention européenne des droits de l'homme, mais qu'il faut savoir, le cas échéant, résister à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui est l'inverse. Regardez, la Cour de cassation va au-devant de la Cour européenne des droits de l'homme. Sur la question de l'état civil des enfants nés de gestation pour autrui, elle rend une décision où elle va demander son avis à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'elle se soumet à la Cour de droit européenne des droits de l'homme, alors que rien ne l'y oblige, et alors que jusqu'à présent, la Cour européenne des droits de l'homme a laissé une certaine marge aux États en la matière, là, il y a un véritable problème de soumission. Je crois qu'il faut pas jeter ces instruments européens, qui sont des instruments qui ont apporté des éléments positifs. Simplement, il faut savoir résister. Et je crois qu'il faut savoir résister à la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui avait... Vous avez toujours un droit de suite, hein, d'ailleurs, quand vous n'êtes pas d'accord. Parce que quand j'ai assez l'habitude des amphithéâtres pour savoir qu'il y a des propos qui ne convainquent pas. Mais vous avez toujours un droit de suite, simplement, c'est d'équilibrer la parole. Hein, je ne détiens pas. Vous avez dit que c'était possible, juridiquement, mais c'est possible politiquement à assumer... Oui, à mon avis, c'est pas une... C'est entre remettre la Cour européenne des droits de l'homme à sa place, qui se fait d'ailleurs un petit peu, il y a des articles aujourd'hui d'universitaires qui ont beaucoup servi la Cour européenne des droits de l'homme, qui disent ben maintenant on a un recul parce que finalement le principe de subsidiarité prend trop de place. Ça veut dire quand même, le principe de subsidiarité, ça veut dire que la Cour européenne des droits de l'homme... Au début, le problème de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'elle partait d'une analyse qui était tout à fait juste, c'est-à-dire un système minimum de protection des droits fondamentaux dans l'ensemble des pays. Vous n'avez pas le droit de torturer, vous n'avez pas le droit de... Bon. Et ça, c'est un instrument utile. Le problème,
c'est qu'elle a considéré que finalement la Convention n'était plus qu'un texte attributif de compétences, que c'était, selon ses termes, un instrument vivant. Un instrument vivant, ça veut dire qu'on le modèle, c'est plutôt qu'un instrument qui ressemble à la pâte à modeler et que l'on modèle absolument comme on l'entend, et elle a donc considéré qu'elle faisait ce qu'elle voulait. La Cour européenne, moi je disais souvent à mes étudiants, en fait, et c'est là, là il faut mettre les choses à sa place, en fait on pourrait supprimer sans aucun inconvénient la Convention européenne des droits de l'homme, il suffirait de la remplacer par une phrase, la Cour européenne des droits de l'homme, et ça serait de la protection des droits fondamentaux. On arriverait à peu près au même résultat. Et c'est là que c'est un problème. C'est là qu'il y a un problème, parce que la Cour européenne ne se sent plus tenu par les termes de la Convention. Si le mariage est défini d'une manière, elle va considérer que tout ça, c'est des vieilleries qui n'ont pas d'intérêt, que, etc., etc. Et là, il y a un problème. Je ne dis pas qu'il faut dépendre une conception ou une autre du mariage, mais en tout cas, s'il y en a une de la Convention, si on en veut une autre, on sort de la Convention. C'est tout. Et ce n'est pas à la Cour de dire ce qui est bien ou pas bien. Je crois qu'il faut, il faut faire face à la Cour. Oui ? Certains économistes sont intéressés au droit constitutionnel. Oui. Et pour rééquilibrer les pouvoirs, il proposait de créer une troisième chambre. Oui. Ne voterait que le budget et sa répartition. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui ne voterait que... Bah, écoutez, vous, c'est bien que les économistes s'intéressent aux droits constitutionnels. C'est très flatteur pour les droits constitutionnels. Oui, mais le problème, c'est que là aussi, vous allez opposer deux légitimités. Vous allez avoir... Parce que le vote de la loi de finances, c'est par définition l'outil essentiel d'une politique. Vous ne pouvez pas mener une... Quel est le rôle d'un gouvernement? Le rôle d'un gouvernement, que ce soit le président de la République ou le Premier ministre, c'est de déterminer et de conduire la politique de la nation. Le problème, c'est que si vous dites qu'il y a une chambre qui vote la loi de finances et que les autres chambres vont voter le reste, finalement, les autres chambres, elles n'ont quasiment plus d'utilité, parce que qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'elles vont faire, les autres chambres? Elles vont pouvoir, ce qui est théoriquement le cas aujourd'hui, mais heureusement ça ne marche pas comme ça, ni augmenter les dépenses, elles vont pouvoir simplement réduire les choses, même pas ni réduire les choses, ni augmenter les dépenses. Donc, de toute façon, les chambres ordinaires n'ont plus aucune incidence. Elles vont perdre de leur raison d'être. Mais là où vous avez raison, c'est que le parlementarisme, il est né du vote du budget. Le Parlement d'Ancien Régime, il arrive quand il faut voter des impôts. Donc, la raison d'être des parlements, c'est budgétaire. Après, ils vont grossir, bien évidemment, leur champ d'intervention. Mais si vous faites une chambre qui est simplement chargée du budget, les autres chambres n'ont quasiment plus d'intérêt. En fait, leur idée, c'était que les chambres traditionnelles s'occupent, par exemple, de l'Assemblée nationale qui voterait les lois, oui. Le Sénat qui serait toujours le limitateur et qui récupérait éventuellement certaines compétences du CESE. Et en fait, on aurait une chambre qui serait élue et qui se spécialiserait uniquement dans les questions budgétaires et qui leur poserait une limite à leurs ambitions. C'est-à-dire que ça permettrait d'un côté de freiner la dépense publique et de l'autre côté de freiner les impôts, qui sont aussi des obstacles à la liberté. Bien sûr, mais dans ce cas-là, il faut simplement... Ce qui existe et qui n'est pas toujours appliqué, c'est simplement que d'enfermer plus largement la marge de manœuvre financière gouvernementale dans la loi de finances. Oui, parce c'est assez compliqué, il y a aussi des limites constitutionnelles qui ont été pensées, par exemple la règle d'or. Ouais. C'est pas mais vous imaginez la complexité d'un système à 3 ou 4 assemblées. Parce que. Elles auraient des compétences très bien définies. Oui, oui, non, mais d'accord, vous ne pouvez pas séparer, je veux bien vous croire, sauf que vous ne pourrez pas séparer les compétences budgétaires des autres. Quand vous enlevez les finances, il ne reste rien. Quand vous enlevez le budget, il ne reste quasiment rien comme pouvoir. Après, je vais vous contredire sur un point. À l'Assemblée nationale, dans les faits, dans la manière dont est votée la loi de finances, c'est quelques députés qui connaissent son fonctionnement et qui comprennent oui. quelque chose, et tous les autres qui suivent. Oui, mais ça, c'est pas que dans le domaine des finances. Hein. Ah oui, parce que les finances sont plus incompréhensibles que d'autres choses. Mais même quand vous avez des lois sur la bioéthique ou autre chose, malgré les apparences, c'est un peu la même chose. Hein.